Allez, moi c'est Gary Jean-Baptiste pour SPNH. Comme annoncé, SPNH a lancé le combat contre la corruption dans la police. Nous connaissons qui sa corruption fait Haïti. Nous connaissons qui sa corruption fait l'institution. La police, c'est une institution qui est affaiblie, qui est écrasée, qui a tout subi, tout ça subi à cause de corruption. Je veux dire, si la police n'a pas servi nous, si la police n'a pas là, il n'y a pas un hélicoptère, il n'y a pas un bombe blindée, il n'y a pas un ZAM. Nous avons une bonne police qui est obligée de courir quitter le pays. Parce que nous avons une situation difficile, c'est à cause de la corruption. Je dis, SPN a envoyé un message à la société, il a envoyé un message à tous les policiers. Li voye un message ba sa yo ki à l'étranger k'ap souffri nou konn nan ki situation parce que yo kite pays ya parce que seulement insécurité et la police la té capable résoudre ou bien pas jouer partition pas pour nous pas arriver côté nous arriver jodi a. Et bien SPNH qui c'est syndicat la police là li lancé bataille contre corruption. Je n'ai pas gardé là n'a bien pour remettre la presse copilote là ça c'est accusé a qui dit mais on ensemble de dossiers pour regarder pour nous regarder comment ça y est. Et c'est pas ça seulement, nous avons l'autre dossier qui va venir jouer l'ILCC et nous avons l'autre dossier qui va jouer un coup de compte parce que nous demandons audit sur la police là parce que je dis à l'éclair que l'institution nous pas qu'à fonctionner tant que nous pas combattre corruption. SPNH lance combat corruption parce que en 2024 c'est une année bataille, c'est une année goumé pour nous camper la police là, pour la police à servir population, pour la police là des moyens parce que nous gagnons un bon million de postes dépensés dans la police là, mais qui pas venir joindre nous. OK, mon qui parle avec nous là, il gagne 19 ans d'institution uniforme qui sous moyen Jean nous même non uniforme qui sous moyen c'est moi qui fait et moi qui baille coude lui j'ai les pas balle qui sous moyen n'a pas que le pas marquer et PNH parce que c'est moi même qui acheter la jambe. Est-ce que l'institution va continuer à marcher comme ça? Non, nous même dans PNH on dit corruption c'est le poison, n'a pas attaqué corruption tout le monde qui dans la corruption. Tout le monde qui a gagoté l'argent sous la police, là, ou bien qui dans la police, ou bien qui dans l'autre institution qui utilise la police comme vache à l'air, doit gagner la justice. Nous croyons dans l'USCC, nous croyons dans la justice pays nous, et bataille ça, c'est une bataille qui est de permanente, bataille ça, c'est une bataille de longue haleine, et une jeune garçon, une jeune femme. Pas oublier, SPNH, c'est lui-même qui a eu courage pour le dénoncer. Une bonne bagarre qu'a fait dans la police, là, et bien je dis, il prend une autre route. Route ça, c'est route côté, nous allons mener une vraie bataille là, parce qu'il y a des gens qui sont corrompus, il y a des gens qui participent dans le gal, qui participent dans le gagoter l'argent, pour qu'ils aient aidé nous-mêmes, nous jouons gilet, nous jouons casse, nous jouons bombes blindées, nous jouons hélicoptère. Je dis à nous que, au lieu de renforcer la police là, au lieu de nous moyens pour nous faire ce job là, c'est plutôt un pays étranger. Déjà, nous sommes dans un pays étranger, nouvelle là, c'est 300 Kenya en février. Nous avons venu depuis plus qu'un an. 300 policiers kenyans qui sont venus. Pour qui ça 300 policiers ça ont eu un résultat? Pendant ce temps, il y a des milliers de policiers dans le pays. Il y a des milliers de policiers en deux institutions. Il y a plusieurs centaines en dans la mer. Pour qui ça va une grâce, ça a eu un moyen pour faire travail là. Et bien nous-mêmes dans l'SPN, nous disons, poison corruption, nous lançons bataille contre nous. Nous avons pouvoir nous à deux bras. Et la nation a bien pour songer que. Ce n'est pas nous tous dans la police. Ce n'est pas nous tous dans le pays d'Haïti qui rentrés dans la corruption, qui à l'aise dans la corruption et qui à l'aise pour le pays à côté de gens liés à Jodia. La police a bâillé le résultat, c'est si les gens qui dirigent le gain volonté et si les gens qui dirigent le coupé fâché avec la corruption. La bataille contre la corruption est lancée en dans SPNH, c'est en dans la police. Il faut que l'État, il faut que l'ULCC, il faut que l'UCREF. Il faut coup de compte faire audit sur la police ça pour nous connaître paquet de millions ça pour qui ça pas cabane gilet pour qui ça pas cabane casse pour qui ça pas cabane nous un policier a touché aujourd'hui à $168 américains nous avons économie en inflation de plus de 53% qui sont volés qui résultat un policier aujourd'hui à il faut policier pas un gilet pas balle zam qui nomme c'est un zam qui pas répondre vrai jodi a l'important pour que nous connaissons que ce n'est pas nous toute la société, ce n'est pas nous toute dans la police. Moi, je connais un peu de critiques qui viennent vers les policiers. Mais là, nous cherchons qui sont les policiers à vivre, et bien nous comprenons qui ça fait ce travail là. Qui ça fait ce travail là, pas qu'à faire de gens de fête là. Pour qui ça joue à nous pas un hélicoptère? Pour qui ça joue à nous pas un bon blindé?
pour qui ça blindé que t'acheté là et parmi nos ça yo pas regarder comment blindé combien de matériel acheté pendant pas pile million blindé ça yo acheté là et pas blindé et pas yo pas yo pas vos prix qui dépend qui penser pour yo blindé yo pas de qualité l'important pour que nous un bon blindé pour un hélicoptère pour faire travail là la police là pas ca quand rester dans corruption tant qu'elle campe dans corruption elle pas besoin travailler dis nous non et audit ça c'est sous administration et DGLB1 ou non nous même nous pas mener bataille nous pas mener une bataille contre un monde d'ailleurs nous pas un problème personnel avec personne nous même dans SPNH n'a pas garder institution audit dossier ne pas pour nous porter dans un coup de compte par exemple lui concerner audit sous 10 dernières années dans la police. Il en est de même pour dossier qui parle, qui vient de l'ISSC qui parle dans l'ICREF. C'est un dossier sous des années qui concerne plusieurs commandements. C'est important pour que nous disions, nous gardions qui ça a fait à l'argent. L'argent qui vient non seulement de taxes, qui vient de population, mais l'argent qui vient tout de l'autre peuple, soit peuple canadien, peuple américain, l'autre peuple qui bat nous, des millions qui viennent dans la police et qui passent rien. Qui viennent dans la police et qui passent vie pour la police. Parce que sinon, nous avons un hélicoptère, nous avons un chat, nous avons un. Je dis là, passer dans le commissariat régional, je vais regarder comment les policiers vivent. Les policiers, commissariat, c'est un pas côté bête habité. Pendant ce temps, les policiers ont touché 168 dollars américains par mois. Les policiers là, qui, même si agent 4, sous dom, pas touché agent 4. Depuis 4 ans, je touché agent 3. Les policiers là, qui inspecteur, qui touché agent 3. Les policiers là, qui inspecteur divisionnaire. Pendant ce temps, l'a touché agent 4. Parce que la police là, c'est un vache à l'air, un bon monde à utiliser pour faire cob. Vous avez une rubrique dans le budget de la police, nous ne savons pas qui ça va utiliser, qui ça va faire avec vous. C'est ça, nous demandons l'État, nous demandons l'USCC, nous demandons l'ICREF, nous demandons pour des comptes pour garder pour nous. Garder pour nous ce qui passe dans la police. La police n'a pas qu'à descendre de Bibali. Trop important pour nous quitter la police à craser. SPNH prend courage derrière les bras et demande toute société à camper en bas. Camper derrière la SPNH et nous tous policiers, je veux dire là, nous en mode côté pour nous pas demander, mais pour nous exiger, bah nous ça nous doit. Nous pas courir pour nous bloquer, même des centaines bloqués au Mexique. Ça va passer misère Nicaragua, ça y est qui s'est nommé parce que situation est difficile pour eux. Toute société a doué ensemble qui dit ah bah corruption dans la police là, et c'est corruption qui est mettre faire la police là comme ça. Je veux dire à nous tous, qui c'est journaliste, qui quel que soit monde dans la société là. Si tu es un policier efficace, qui a des résultats, je veux dire Haïti pas d'après ça. Si 12 mars 2021, tu es un l'État, tu es campé, tu es posé des actions, je veux dire pas d'après côté de l'IA. Commandant, qui a là, c'est Franz Elbe, son policier qui fait carrière dans la police. Nous veux dire, nous disons qu'il faut avoir plus de résultats. Et nous te disons déjà, le fait que pendant 2 ans, il n'y a pas de résultats, nous-mêmes nous disons que nous-mêmes, l'État doit tirer la révérence. Comme étant donné, ce n'est pas nous qui avons décidé de ne pas avoir un pouvoir pour nous changer de directeur, mais s'il l'a toujours, il doit assumer. Il n'y a pas qu'à le Kenya pour aller pour policier pour venir. Pendant que ce policier parle là, mandez le moyen pour nous travailler, moyen pour que nous soyons capables de job, pour nous servir la population. Mais comme ça, on va aller. Je vais rappeler pour nous dire, et SPNH, nous-mêmes, nous réfléchissons pile sur ça. Si. Nous avons une force de police efficace, c'est vrai, là-bas, nous résultat. Mais, si les gens qui sont dans la rue, si les gens qui sont dans le ghetto, si les gens qui sont dans la situation, nous avons cassé le capital populaire, si nous n'avons pas de chance pour aller à l'école, si nous n'avons pas de chance pour venir des citoyens demain, même si un petit policier qui mourit, Haïti ne peut pas sortir dans l'insécurité. Il faut que nous disions tout, l'important pour que nous gardions comme base société. Mais si nous finissons résoudre le problème de Timounio, il faut que nous arrivions sur entrepreneurs. Entrepreneurs de sécurité, les gens qui investissent dans la sécurité, les gens qui profitent de la sécurité pour faire millions. Chaque fois que les gens mourent, les policiers ou bien les civils, ça ne va pas interpeller les personnes. Parce que l'insécurité, c'est une source côté en pile de gens qui font millions. Il faut entrepreneurs de sécurité, il faut nous arriver sur eux. Il faut que la justice arrive sur eux. Il faut qu'il y ait sanctions, il faut qu'il y ait prison. Parce que la situation est difficile. En pile, elle est difficile pour nous tous. Policiers a kidnappé. Nous avons des policiers jusqu'à présent, nous avons inspecteurs divisionnaires. Qui, parmi deux, ont été kidnappés dans l'espace de 8 jours, il y a jusqu'à présent. Qui? Non, mais bandit. Avec des policiers là, policiers, il y a subi, il y a vivé la sécurité dans la chair, dans le nom. Il y a qui attend toutes les démarches ça? Nous croyons que l'ISSC a fait suite pour le garder pour nous. Et nous croyons que la bataille n'est pas aujourd'hui. Elle a commencé avec SPN aujourd'hui. Libre continuer. Chaque cas nous jouons, nous avons porté le bail à la justice. Chaque cas nous avons fait des marches sous lui.
parce que un bon cas de corruption qui a passé un bon actuellement pendant n'a parlé là nous avons des policiers qui dans centre cap dit nous prime de risque pour eux pas venir des policiers qui dans polifront il prime de risque qui pas venir qui ça nous tendez matin sur Radio Caraïbes, il y a des dizaines d'employés civils qui nommés depuis 3 ans, ils n'ont pas touché. Nous connaissons SPNH, c'est pas seul syndicat qui est dans l'institution. Est-ce que c'est une démarche que nous faisons nous ou bien nous souhaitons l'autre syndicat rejoindre dans la démarche? SPNH, pas mandé seulement un syndicat, mais tout le monde qui croit que la police doit être efficace, vient rejoindre nous, bataille contre la corruption, nous lancer et 2024. Nous allons jouer une police qui parle obligé, qui parle obligé responsable. Sous responsable, fort ou bas résultat. Policiers ne peuvent pas continuer à mourir. Policiers ne peuvent pas regarder les familles à continuer à mourir. Petit, il y a policiers qui disent que c'est quand même été. Parce qu'ils ont quitté la zone côté où ils étaient. Mais l'important aujourd'hui, pour que SPNH, société, tout le monde ensemble pour nous combattre la corruption. Dans toute institution, on a commencé. Dans l'institution de la police, qui est important pile.